troisième. Parce qu'on ne peut pas trimballer tout un peuple dans un contrat de deux individus. On ne peut pas nous prendre en otage. Juridiquement, c'est-à-dire dans un problème, tu bah de ce n'anges à qui en bonne et difforme requête nanga et là qui recevable et fondé bah le écoute donc a fait donc bah invalidé X personne va remplacer na ouerason le ministère public au monde entier autorité morale ya FCC la limite un jour n'est pas membre FCC bah y'a qui ngakati faut tout n'abandon qu'est-ce qui ne va pas avec ouerason. Qu'est-ce qui ne va pas avec Ouerason? Bazo benga, c'est-à-dire Yamasina Kingasani, bah il faut pas quitter la cour. Bonjour, bonsoir, chers fidèles abonnés à Coup de Projecteur, votre émission préférée, votre émission d'analyse d'infos de tout le sujet touchant la vie humaine. Aujourd'hui, comme vous le savez bien, nous allons analyser, parler sur le nouveau gouvernement Oyotigoumo Najour à niveau ya Congo. Après 7 mois, il y a manque de gouvernement. Après 7 mois, depuis investiture, il y a le nouveau président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, en tant que président de la République de démocratique du Congo. Le pays est travaillé et s'allie 7 mois sans pour autant qu'il y ait un gouvernement mis en place pour gérer la chose publique. Nenge, normalement, Mokanyan soit fonctionnaire. Mais la chose la plus étonnante, et Tindibisodosa analyse, c'est que nous avons un gouvernement de plus de 65 membres, un record mondial. Et cela nous a amené à pouvoir se poser de questions. Pourquoi aussi un grand nombre na composition ya gouvernement? À ce que nous sachions, un gouvernement est comme rati na ba niveau ya ba nombre exagéré à ba membres quand il y a crise. Les gouvernements à transition, ou soit quand il y a des conflits armés et tout ça, donc ba sangani pour na komona sur la même coémettre sur la même longueur d'onde né permis ba salaka ba gouvernement ezali ko sangisa ba différentes parti au Bazaki en conflit au Bandeko s'attendre pour que bah, gérer la chose publique afin de pouvoir obtenir la crise et basala un gouvernement effectif. Mais ce que nous avons aujourd'hui, c'est un gouvernement effectif ou un gouvernement de transition. Parce que avoir 65 membres du gouvernement, pour nous, coup de projecteur, nous estimons que c'est un peu trop. Pourquoi trop? Parce que tout ce ministère, et vous en avez posé un budget pour y fonctionner. Tout ce ministère, et vous en avez composition, il y a un bureau, il y a un bateau, il faut travailler, il y a 4, il y a un ministère, et tout ça, c'est à la charge, il y a un trésor public. Alors aujourd'hui, nous allons beaucoup plus jouer dans les chiffres par rapport à la recherche de Mehiko Sala. Gouvernement de Totikolobawa, et ça a 65 membres. Donc, ministres et vice-ministres. Donc, 65 membres qui composent le gouvernement Oyoyo pour travailler avec le président actuel de la République démocratique du Congo. Un record mondial. Ce qui est la présidence Yangomoko, la présidence est à peu près pour travailler la présidence. Plus ou moins 300 personnes. Je dis bien 300 personnes. Tokéi na primature. Du côté de la primature, il y a à peu près 100, plus ou moins 100 personnes au bazar composé. Bah, bureau, il y a primature, bureau, il y a premier ministre. Nous passons. Tokéi na assemblée nationale où nous avons 500 députés. Oyoba Siejaka.
Et puis, tu as 1000 assistants parlementaires. Allez-y faire de calcul. Hein. Faites de calcul, je crois que vous êtes aussi fort en calcul que moi. Tokéi na Sénat, nous avons 108 sénateurs plus le sénateur à vie qui est le président honoraire Joseph Kabila Kabange, ce qui fait 109 sénateurs. Bien sûr, avec le bureau, où est composé, où est travaillé à Kanakati à Sénat. Tokéi charge, où est-ce qu'on a touché le compte à trésor public, Tozali na présidence honoraire, dont le président honoraire qui doit être pris en charge par le trésor public. Donc, quand on parle de prise en charge du président honoraire, on voit que tout ce qu'il y a, fonctionnement naïe, bah domestique, bongisse les jardins, alinga salabo, tout ça, c'est na compte de trésor public. Allez-y comprendre. Tokéi, na cabinet, y a première dame. Ce cabinet est composé aussi de plus ou moins 100 personnes. Au bas fonctionnant, na kati, y a bureau, y a cabinet, y a première dame. Nous passons, Tokéi, na. Assemblée provinciale, c'est-à-dire le Congo aujourd'hui a 26 provinces. Donc c'est pour dire que nous aurons 26 assemblées provinciales ainsi que 26 bureaux pour le fonctionnement de l'assemblée provinciale. Allez-y comprendre et que vous allez à peu près combien dans chaque bureau et assemblée provinciale, il y a chaque province, il y a République démocratique du Congo. Tokéi n'a pas gouverneurs et vice-gouverneurs. Donc, voilà Tomoni 26 fois 2, c'est-à-dire 26. Donc, nous aurons 26 gouverneurs plus 26 vice-gouverneurs, ainsi que le bureau. Continue à faire des calculs. Donc, ce qui revient à dire que pour le fonctionnement, il y a République Nabisso. La crise, parce que le peuple ne se retrouve pas, il y a à peu près plus de 3000 ou plus de 4000 personnes qui sont suffisamment bien payées, frais d'émission et paille, déplacement et paille, loger, tout ça, c'est toujours dans le compte, il y a trésor public. Pouvez-vous imaginer un peu pourquoi est-ce que Mboka n'a pas besoin de fonctionner à niveau oyoyo, parce que tous ces gens-là, ils sont heureux parce que bango bako fouta makitoko, bako bosa na bengi mpiaka, pendant que la population oua votara bango, azali toujours ko croupir na kati ya misère et na kati ya pas si collé là tout moment. Je vous invite à suivre cet élément. Il y a jour, il y a publication, il y a gouvernement, il y a oyoza ko fonctionner, oyoza ya oyoza battre record mondial avec 65 membres. C'est la raison pour laquelle on se pose la question si ces gens, Togoloba Ezali, le peuple d'abord ou le poste d'abord. C'est ce que nous sommes en train de te poser comme question. Suivant un peu la publication de ces gouvernements qui étaient passés sur les antennes de la RTNC, la chaîne nationale de la République démocratique du Congo, et on se retrouve juste après. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, comme annoncé à travers vos médias, les deux forces politiques composant la majorité parlementaire, à savoir le Front commun pour le Congo et le CAP pour le changement, en sigle respectivement FCC et CASH, ont bouclé tard dans la nuit de jeudi à vendredi dernier leur consultation qu'elles viennent de sanctionner par un procès verbal circonstancié des clôtures des négociations. Il ressort des conclusions de ces travaux une déclaration politique importante annonçant d'une part la constitution d'une coalition politique entre le Front commun pour le Congo et le CAP pour les changements, et d'autre part, des principes devant guider Son Excellence Monsieur le Premier ministre
à former son gouvernement sous peu, avant de le soumettre à la sanction de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il est bon de préciser qu'une décision conjointe séparée met en place un comité de suivi de l'accord de coalition susvisé, constitué de manière paritaire. En définitive, au nom de tous mes collègues négociateurs du CACH et du FCC, je voudrais ici rendre un hommage mérité à son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo et à son prédécesseur, son Excellence le Président honoraire Joseph Kabila Kabange, les deux chefs de file de notre coalition, pour leur sens élevé de patriotisme qui a permis non seulement d'offrir à notre pays la première alternance démocratique pacifique, mais également l'aboutissement heureux de ces longues négociations. Toute notre gratitude, enfin, à notre population et à nos militants respectifs pour leur confiance et leur patience, ainsi que pour leur soutien inestimable dont la coalition FCC-CACH aura encore tant besoin. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Nous invitons l'honorable Germain Cabon sur la délégation de CACH à prendre la parole. Merci, monsieur le rapporteur. Déclaration solennelle annonçant la constitution d'une coalition politique entre le Cap pour le changement CACH et le Front commun pour le Congo FCC. De force politique CACH FCC, soucieuse de préserver, dans l'intérêt supérieur de la nation, les acquis mémorables de la passation pacifique inédite du pouvoir du 24 janvier 2019 entre Son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République sortant, et Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République entrant. Considérant l'aspiration du peuple congolais à la paix, au progrès et au mieux-être, tel qu'exprimé lors des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales. Constatant qu'au terme des élections du 30 décembre 2018, le peuple congolais a élu président de la République, les candidats du CACH et accordé au FCC une large majorité tant à l'Assemblée nationale, au Sénat que dans les assemblées provinciales. Tenant à prévenir les crises politiques qui, en cas de cohabitation, pourraient dans notre jeune démocratie bloquer dangereusement le fonctionnement des institutions nationales et provinciales, réduisant à néant les chances de rencontrer l'aspiration légitime du peuple sous rappelé. Déterminé à éradiquer la pauvreté indigne d'un pays comme la RDC, engagé à préserver l'indépendance, l'unité et la stabilité du pays en consolidant la démocratie, l'état des droits, l'autorité de l'État et la bonne gouvernance dans la lutte contre la corruption. Résolu à cet effet, à mettre en œuvre des réformes institutionnelles ainsi que de politiques publiques propres à créer les conditions propices à une croissance économique forte, durable et aux bénéfices équitablement partagés. Réaffirmant leur attachement commun aux valeurs du patriotisme au plan politique et de la social-démocratie au plan économique et social. Consciente de leurs responsabilités devant Dieu, la nation et la prospérité,
proclame ce qui suit. 1. L'effectivité de la coalition CACH-FCC pour gouverner ensemble. 2. L'adoption d'un programme commun de gouvernement CACH-FCC. 3. La mise en place d'un gouvernement de coalition CACH-FCC. 4. Enfin, la mise sur pied d'un comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord de coalition. S'agissant plus précisément du gouvernement, les deux partis ont convenu et arrêté de procéder à la formation d'un gouvernement de coalition comprenant, hormis le Premier ministre, 65 membres, dont 48 ministres et 17 vice-ministres, à raison de 23 postes au total pour le CACH et de 42 postes au total pour le FCC. Fait à Kinshasa, le 29 juillet 2019, pour le FCC, Prof. Nehemi Mulanya Wilondia, coordonnateur. Pour le CACH, Jean-Marc Kabunda Kabunda, coordonnateur. Merci. Nous passons à présent à la cérémonie de la signature des documents de fin de négociation. Au total, 3. C'est bien cela? Jacques, s'il vous plaît. Merci, amis téléspectateurs. Vous venez de suivre en direct sur la Radio-Télévision Nationale Congolaise le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Il sera le premier du mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Il comptera 48 ministres et 17 vice-ministres, au total 65 membres. Vous avez suivi en direct sur la Radio-Télévision Nationale Congolaise la déclaration de constitution effective de la coalition FCC-CACH a été lue par Jean-Marc Kabunda Kabunda, qui était coordonnateur de la délégation du CACH à ces négociations, et le mot des circonstances a été lu par le professeur Nehemi Mulanya, qui est lui coordonnateur du FCC, mais qui a en même temps conduit la délégation du FCC à ces négociations. Donc ce soir, nous sommes là en train d'assister à la fin des négociations. Le gouvernement complet de la coalition CACH-FCC. 1. Premier ministre, Ilunga Ilunkamba Sylvestre, FCC/PPRD. 2. Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Kikaya Bin Karubi, FCC/PPRD. 3. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Kamer Vital, CAC/UNC. 4. Vice-premier ministre, ministre du Transport, Bahati Lukwebo, FCC/AFDC. 5. Ministre d'État, ministre de la Défense, Jean Guyu, FCC/PPRD. 6. Ministre d'État, ministre du Budget, François Muamba Tshishimbi, CAC. 7. Ministre d'État, ministre de la Justice, Baudouin Maillot, CAC/UNC. 8.
ministre d'État, ministre de l'Économie et Commerce extérieur, Gandu Katinga, CAC. 9. Ministre d'État, ministre du Plan, Luigi Gisenga, FCC/PALU. 10. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Boji Sagara, CAC/UNC. 11. Ministre d'État, ministre de la Fonction publique, Payos Mwebilu, FCC/AA. 12. Ministre des Finances, Nehemi Mwilania, FCC/PPRD. 13. Ministre des Relations avec le Parlement, Kinki Mulamba, CAC. 14. Ministre de la Santé, Eteni, CAC/UDPS. 15. Ministre du Travail et Prévoyance Sociale, Ferdinand Cambéré, FCC. 16. Ministre du Portefeuille, Inagosi Geneviève, FCC/AA. 17. Ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Papi Pingu, FCC/PPRD. 18. Ministre de l'Industrie, PME et Classe Moyenne, Kassom Gokalaloka, FCC/APECO. 19. Ministre de Poste Télégraphe Téléphone, Franck Dionho, CAC. 20. Ministre des ITPR, Delice Zanga, CAC. 21. Ministre du Tourisme, Jolano Maclélé, CAC/UNC. 22. Ministre des Affaires Foncières, Bulambo Kilocho, FCC/APS. 23. Ministre de l'Urbanisme et Habitat, Henriette Wamu, CAC. 24. Ministre de l'Énergie, Jacquemin Chabani, CAC/UDPS. 25. Ministre des Mines, Kibaza, CAC. 26. Ministre des Hydrocarbures, Angeli Photo, FCC/APECO. 27. Ministre de Culture, Thierry Mosenapuo, FCC/CCU. 28. Ministre de la Promotion du Genre, Mabouya Damanzo Annie, CAC. 29. Ministre de l'ESU, Claudel Lubaya, FCC/CAC. 30. Ministre de l'Environnement, Mubanga Marie-France, FCC/PPRD. 31. Ministre du Développement Rural, Laurent Batumona, CAC. 32. Ministre de l'EPSP, José Mpanda, FCC/ADRP. 33. Ministre des Congolais de l'Étranger, CDA Arthur, FCC/ABC. 34. Ministre de Droits de l'Homme, Kankonde Gilbert, CAC/UDPS. 35. Ministre de la Décentralisation et Affaires Coutumières, Julien Palucu, FCC. 36. Ministre de l'Enseignement Technique, Muyuba Francine, FCC. 37. Ministre des Affaires Sociales, Paul Chilimbu, CAC/UDPS. 38. Ministre de Tourisme, Peter Kazadi UDPS. 39. Ministre de la Recherche Scientifique, Rubu. Kazang, FCC/AFDC. 40. Ministre de la Communication, Auguste. Et voilà donc, tel que vous venez de suivre sur les antennes de la RTNC, c'est vraiment malheureux de trouver que nous avons un gouvernement qui a battu le record de tous les gouvernements du monde. Un gouvernement effectif qui n'est pas un gouvernement de la transition, qui n'est pas venu na ma solo ya kobongisa, parce qu'il y a eu des bandes armées na Congo et basangani tout ça pour babongisa. Mais seulement parce qu'il y a eu coalition, il y a deux plateformes politiques. Là, je cite le FCC et le CASH. Bakeko Bimiselabiso, plus de 65 ministres. Donc, ce qui fait que le ministre et vice-ministre, nous avons plus de 65 membres, qui est un nombre qui dépasse véritablement la limite. Oyoyo, tu aurais qu'à imaginer. Alors, tout ça, ils ont qu'à charge et à trésor public.
Et Bango Bazar s'est retrouvé pour un avantage personnel et égoïste, pendant que la population souffre et continue à souffrir et Bazo est là. C'est la raison pour laquelle on se pose la question. Étienne Tshisekedi avait-il dit le peuple ou le poste d'abord? C'est ça la grande question que nous sommes en train de nous poser aujourd'hui dans cette émission. Et nous sommes en train de réfléchir à ce sujet. Alors, selon les rumeurs que nous avons, un ministère fonctionne avec un budget à peu près de 1 million de dollars. Ainsi, tout ça coûte là, c'est qu'avec le 65 ministère au Tozali Nayango, au Ebiminata gouvernement, c'est qu'il y a 65 millions. Oh, normalement, il faut faire fonctionner tout ce ministère-là. Et on se pose la question, toujours et toujours, le peuple va se retrouver quand? Le peuple va se retrouver quand? Et une chose que l'UDPS est en train d'oublier, c'est que d'abord, il y a eu une déclaration de propos tenus par un cadre de l'UDPS qui est aujourd'hui le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique, dont je ne préfère pas citer le nom, vous le connaissez, qui a dit que l'UDPS va se rattraper en 2023. Et ça étonne les gens. Ce sont des propos que moi je qualifie d'irresponsables. Parce que ce qui est locaux, on n'aurait même pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et l'UDPS ne peut pas se prétendre que Bazan a monopole, que Bango Kamba nous voté Bango. En 2023, Zaka Bango. MLC Azamwasi n'a été. PPRD Azamwasi n'a été. Et SID Azamwasi n'a été. Et tout ce parti politique Babasi n'a été. Pour dire que Bango Kamba n'est pas le cas. Alors, ils devraient se mettre au four et au moulin pendant que Bazoua qui position de force au. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi est là, Félix Tshisekedi a bénéficié na. Na bitumba au papa na yabundaki, c'est ce qui a fait que Félix aujourd'hui est ma présidente de la République. Mais étant molia UDPS na prise de pouvoir na bango tomoni un peu il y a de n'importe quoi. Légèreté Zali, UDPS n'a pas donné le résultat que les gens attendaient. Et na 2023 UDPS ce cadre de l'UDPS Oazopé ça va tout rendez-vous que ils vont recadrer un peu le tir. C'est comme si UDPS a un monopole, il y a qu'on gagnera toujours l'élection à niveau il y a République démocratique du Congo. C'est que nous trouvons un peu bizarre. Alors, nous sommes en train de réfléchir à ce sujet. Or, oublions que il y a PPRD, pour ne pas dire FCC, que l'UDPS échoue lamentablement. Pour que Bango va reprendre bâton de commandement. Et comment ça challenge? Bah c'est une coalition parce que la présidence est n'a pas beaucoup à UDPS. N'eût été cela Bango Sanganate. Alors tant Bango Kende, sûrement, Naba 2023, Bango Zassou ici Kamorote. Alors souhait à PPRD, pour ne citer que le PPRD, et que l'UDPS a échoué pour que l'UDPS n'ait pas un discours il y a convaincre la population parce que la population retourne à compte rendu auprès de l'UDPS où ils ont incarné et pas il y a Félix Tshisekedi dit qu'est-ce que tu as fait dans le mandat de Pesakio. Alors tout ça ça fait vraiment très mal na Mouté Marotala que pour notre intérêt à Batou le peuple est sacrifié. Aujourd'hui on peut dire que le slogan Oyo Étienne Tshisekedi d'Apesakia, le peuple d'abord est respecté. Je ne crois pas. Et vous qui êtes en train de me regarder, vous partagez cette même avis. Et le Congo, ils allaient au Kenenakat Yaliboulou. Ce qui toque totali na logique Yakoloba. Le peuple d'abord. Tozomona que le peuple Azali pris en quantité. Na gestion ya mboka wana parce que so otali tokena makambo otali net cetat makambo ya ba transport na ba place mususu to jui exemple mort typique ya ba ndeko so ko ba handicapé ils sont pas pris en compte
En Afrique du Sud, aux hommes ici qui va sali arrêt, il y a bateau normal, bateau mata. Ils ont prévu place au bateau basé dans handicap, bateau qu'ils ont facilité à remata. C'est ce qui ne se fait pas. Donc nous avons des problèmes ébélé na kati ya mboka na biso. Mais aux hommes on a que bateau basé sur le cas positionnement na bango personnel politique. Basse la guerre na bango politique. Qu'attendez-vous dans une assemblée nationale où la présidente de l'assemblée azola ta effigie? Il y a autorité morale là, qui est l'ancien président de la République démocratique du Congo. Qu'attendez-vous de cette assemblée? Qu'attendez-vous d'un Sénat où le président Azali recherché dans la justice internationale? Qu'attendez-vous dans le Sénat ya Bongo? Qu'attendez-vous dans l'Assemblée nationale ya Ndengwana? Et nous ne sommes pas de prophètes de malheur. Nous ne faisons que deux analyses. Nous estimons que les gens qui composent ce gouvernement qui est mis en place, qui va fonctionner déjà dans quelques jours ici, ne va apporter rien du tout pour soulager difficulté à peuple congolais. Déjà meurtri, déjà allé là trop, misère, nzala, maladie, difficulté à n'engénier la couleur, tout, ou et tout chaka kabango. Nous ne pensons pas que ce gouvernement qui est mis en place et qu'on va apporter solution à la population. Parce que ce sont les mêmes personnes, Oyoyo Bazalakaba, ils ont travaillé avec Mobutu, ils ont travaillé avec Mouzé, ils ont travaillé avec le président Sorko et Aute Kobima, et va reconduire Bango. Et nous demandons encore à Félix Tshisekedi, où se trouverait le slogan Maboko Pamba? Vous aviez dit que vous n'allez pas travailler avec les gens qui ont de mes salles. Mais il semble que les gens qui ont de mes salles, ce sont les mêmes personnes qui sont encore repêchées dans ce gouvernement. Chose déplorable. Et on a trouvé que vous êtes devenu incapable. Vous n'avez plus de force à pouvoir vous opposer. Parce que si vous y avez opposé, le gouvernement allait encore être élastique pour être composé. Donc, au Monique, après 7 mois, il y a Kozalana rigueur, il y a beaucoup pas. Le temps passe, et c'est mandat na yonem tezo kende, na critique, de critique en critique. Et vous avez finalement cédé. Nabato bazaka na maboko sale au bazali ko se retrouver na kati ya gouvernement wana au bazaki sous na gouvernement passé avec le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Alors chers fidèles abonnés à coup de projecteur, vous avez vu et on a essayé un peu d'analyser le chiffre, le dépassement en chiffre oyo il faut à la prise en charge par le trésor public. Ces trésors qui n'est pas censé seulement à pouvoir faire des dépenses pour ces gens-là, qui achètent des châteaux en Europe, qui se marient avec 1000 femmes, qui envoient leurs enfants faire leurs études au Canada, aux États-Unis, ici en Afrique du Sud et partout. Qui vous oublie quand ils sont au pouvoir et qui viennent vers vous quand ils ont besoin de pouvoir? Et ces trésors publics-là, ils font ce rabat en charge. Bientôt là, au moins, bon, et puis, mission de service. Mais c'est pour avoir mission de service, voyage, makambebele. Et ce sont les mêmes personnes qui vont vous passer sous la pluie pendant que eux roulent carrosse dans leur belle Jeep. Leurs enfants, ce sont des enfants, au bakino sa, tapage na ba boîte. Pendant que ces enfants-là, et ces enfants-là crachent facilement et pas yabana pauvre. Et c'est malheureux. Madame Francine Gembe de la Belgique, nous avons au Congo un gouvernement qui a battu le record avec 65 membres. Dans la coalition, il y a FCC Cash. Que pouvons-nous encore dire? Comme on a toujours dit, wait and see. Nous avons le peuple ou le poste d'abord, PPD. Qu'est-ce que nous pouvons dire? On ne peut que souhaiter à notre cher et beau pays bonne chance. Mais avec quel genre de personnes qui sont à la gestion de cette chose publique qui est la République démocratique du Congo? Et je répète encore, wait and see, que Dieu bénisse le Congo. Merci à tous mes fidèles abonnés de l'émission Coup de projecteur et de la chaîne YouTube Congo Dialogue.
On se retrouve à notre prochain numéro pour d'autres analyses. Merci.